Bonjour à tous amis sonneurs, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter le nouveau tube d'embouchure d'entraînement de Nicolas Poitevin. Il va être indispensable de faire attention de ne pas le prendre à pleine main, mais plutôt le prendre à trois ou deux doigts, voilà pour éviter de s'atrophier les lèvres, d'accord? Parce que là si on a une prise pleine main, on va avoir tendance à appuyer trop fort. Donc bien entendu, quand on utilise ce tube-là, on sonne comme si on avait une trompe. Bon entraînement.